Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Nous allons continuer à vous parler de la force de l'esprit, un sujet extremely, extremely important. Amen. Et là, ça, c'est le virus Rémi qui vient. Hein? Rémi, il est toujours en train de... Le frère Rémi, il est toujours en train de mélanger l'anglais et le français. Very, very, very important. Rémi, c'est l'animateur de l'émission Fraîche. Okay? Yes. Donc, on parle de l'esprit fort et là, on est en train de parler de comment se fortifier, fortifier son esprit. On a donné des clés aux internautes. Amen, amen. Oui, vraiment, on a abordé... Bon, encore une fois, merci, Apôtre, pour l'opportunité d'être dans cette émission prestigieuse, Pendule à l'heure. Voilà, on est vraiment en train d'aborder un thème remarquable. Voilà, il est bien évident, on a abordé pas mal de points. Comment fortifier son esprit? On a dit pas mal de choses. Je pense que, voilà, je vais laisser la parole. Il continue. Ben oui, pasteur Darius. Merci beaucoup, Apôtre, encore pour l'opportunité de participer à cette émission Pendule à l'heure. Je pense que, ça, encore une fois, je pense qu'il faut que les gens suivent vraiment toute la série. Hein, parce que c'est important, si vous tombez peut-être sur cette émission, que c'est la première que vous regardez, essayez d'attendre, de chercher les replays, parce que vraiment, c'est important de suivre pour tout comprendre, en fait. Parce que si on ne comprend pas tout, on comprend au milieu, on peut être mal nourri et avoir des carences. Et on en a parlé justement dans l'émission précédente, comme quoi il fallait bien se nourrir de la bonne façon et tout dépendait de la saison, tout dépendait de notre âge et que ça dépendait également de notre espèce. Merci beaucoup, Pasteur Gentil. De notre espèce. Donc, c'est important d'identifier qui nous sommes spirituellement pour être bien nourri et avoir un esprit bien fortifié. Oui, Pasteur Gentil. Donc, merci, Apôtre, pour l'opportunité. Donc, effectivement, bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur l'esprit fort, dont la confession, le fait de confesser pour conditionner son âme, le fait de visualiser. On a parlé aussi du fait de pratiquer. Et toutes ces clés-là, effectivement, comme disait le pasteur Darius, en revisualisant les épisodes précédents, permettront de construire l'homme ou la femme forte que vous serez en regardant cette émission. Amen. C'est ça, et donc on a commencé à donner des clés, hein, comment fortifier son esprit. On a parlé de l'alimentation spirituelle, on a parlé de la prière. Et là, on va vous parler du repos. Incroyable, vraiment le repos. Les repos. Le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On a vu que l'un des signes qui montre que notre esprit est faible, c'est la fatigue spirituelle. C'est quand même étonnant qu'à cela, Jésus nous promet le repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Donc on comprend que le repos est un moyen aussi de fortifier son esprit. Yes. Et on va montrer un peu aux chrétiens qui nous regardent comment se reposer dans le Seigneur. Parce que ça existe, en fait, le repos dans le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul parle même de ce repos-là, en fait. C'est quand même étonnant qu'en période de crise, dans la tempête et dans la barque, Jésus soit en train de dormir. Je pense qu'il nous montre, en fait, l'attitude qu'on doit avoir pendant la tempête. On doit être dans le repos. C'est vrai, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que et ce qui est particulier, c'est que dans les choses spirituelles, ce que nous vivons, c'est ce que nous déclarons. C'est ça. C'est ce que nous imposons, en fait. C'est-à-dire que le repos, selon le Seigneur, du moins dans l'esprit, c'est le fait que nous puissions déclarer ce repos-là. Par exemple, imaginons que pendant la tempête, le Seigneur Jésus décide de dormir. Le fait qu'il s'endorme n'a pas été déterminé par la tempête. C'est lui qui l'a décidé. Ça veut dire, malgré la tempête, il a dormi. Et même quand on l'a réveillé par rapport à la tempête, il les a aussi fait rentrer dans le repos. C'est-à-dire qu'il a arrêté la tempête. Par quoi? Par la déclaration. Il a déclaré, il a parlé à la tempête, il a ordonné à la tempête de se taire. Et je pense que c'est de la même façon lorsqu'on sent qu'on commence, pour être un peu plus concret, quand on sent qu'on commence à s'énerver, qu'il y a une situation qui nous irrite, on doit se parler à nous-mêmes et déclarer qu'on ne va pas s'irriter et qu'on reste, qu'on garde notre paix, en fait. Qu'on garde notre joie. Pour rebondir sur ce que le pasteur Darius dit, en restant sur l'exemple de Jésus qui dort dans la barque, en fait, on se rend compte que Jésus fait abstraction aussi de la tempête qui est là. C'est ça. Donc, le repos, pour que le repos soit possible, il faut faire abstraction des événements qui sont externes. Ça veut dire que lorsqu'il y a des tempêtes, il y a des événements qui arrivent, l'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de calme. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force de l'esprit. Amen. Donc, en imposant le calme, ça va permettre, et même on se rend compte que Jésus dort.
Et Jésus impose le calme qui était à l'intérieur de lui à l'extérieur. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de calme à l'intérieur, il ne peut pas avoir de calme à l'extérieur. C'est exactement ce dont on parle. Mais on voit vraiment que le repos était un produit de la foi qui a activé la foi forte. Et puis, bon, je pense quand même dans cet épisode, on voit même qu'il dort avant la tempête parce que les disciples vont le réveiller que, ben, tiens, il y a une tempête, nous sommes en train de vouloir périr, qui secoue la barque et tout ça. Et on voit qu'il se réveille, il est dans la foi, il est dans le repos de l'esprit, dans la confiance de l'esprit. On le réveille, il y a la tempête, ben, il continue à imposer le tempo de son esprit fort. C'est-à-dire, il dit, mais il n'y a rien, c'est juste une tempête. Il calme la tempête. Donc, vraiment, le repos est un produit, finalement, d'une foi forte, d'une foi qui est activée. Mais si on part sur cette base-là, on a dit à l'émission précédente que Jésus connaissait, en fait, tout ce qui se passait dans sa vie. Donc, Jésus savait qu'il allait avoir une tempête. C'est ça. Donc, au moment où il décide de dormir, il sait quand même que la tempête va bientôt arriver. C'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'esprit fort sait quelles sont les attaques qui peuvent arriver, mais décide, en fait, de rester calme malgré les attaques qui arrivent. Ça veut dire qu'il sait quelles sont les saisons par lesquelles il va passer, quelles sont les épreuves par lesquelles il va passer, mais c'est lui qui conditionne la réponse qu'il va donner à ces événements-là. C'est-à-dire que la réponse ne vient pas des événements, ne vient pas des difficultés, mais vient de lui, en fait. C'est lui qui décide ce qui va se passer. Et ça me fait penser à ce qu'on avait dit aussi dans une précédente émission, c'est que l'esprit fort déclenche les saisons, déclenche les saisons qu'il veut, en fait. C'est-à-dire que peu importe, si c'est la tempête, il va dire, bon, bah, ce sera le calme. Comme le pasteur Gentil disait, sûrement que pendant ces temps, en fait, où il priait et que le Père lui a montré les choses. Il a vu la tempête, mais il a déjà vu la solution. Donc, il était dans le calme et la paix. Parce qu'il savait qu'il suffit juste que je me lève, que je calme les choses et que je ne vais pas mourir là-bas, je ne vais pas mourir noyé. Donc, il n'y a aucun souci, en fait. Et j'aimerais même rebondir sur une chose, c'est que très souvent, on va passer du temps dans la prière et on sait que le Seigneur nous parlera de notre journée. Et on va vivre une situation, on aura l'impression que le Seigneur ne nous en a pas parlé. C'est juste un exemple. C'est parce qu'en fait, ce n'était pas utile, parce que tu étais déjà victorieux. Pas besoin d'évoquer la chose. C'est ça. Et ça, c'est vraiment remarquable. On voit que Jésus pouvait voir, faire une lecture de la journée, de ce qui allait se passer. Pas toujours aussi. Donc, je pense que ce qui est important, mais on parle de la victoire. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit par exemple, rempli de l'esprit. Enfin, on sait que si je suis rempli de l'esprit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pour moi, le fait de remplir l'esprit, je sais que, quel que soit, je n'ai pas forcément besoin de voir ce qui va se passer dehors, dans la journée, mais je sais que parce que je suis rempli de l'esprit, l'esprit de Dieu, Dieu qui réside en moi, est plus fort que tout ce que je peux rencontrer comme défi ou comme tempête. Je pense que c'est surtout ça aussi la vision quand on se fortifie spirituellement. La Bible va dire, soyez fort par sa force souveraine. C'est ça. Donc l'esprit fort, c'est un esprit qui est fort dans la force souveraine de Dieu. Ça veut dire quoi? Je me remplis de Dieu, je me remplis l'esprit, je fais des confessions, je m'alimente la parole. Je n'ai pas besoin de voir est-ce qu'il y aurait un défi, non. En fait, je suis conscient de la grandeur de Dieu. La Bible va dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, c'est comme quand on marche, mais tu ne vois pas d'abord que quand je serai là-bas, il y aurait un caillou. Tu marches simplement. Tu es conscient de qui tu es, de ton autorité. Je pense au-delà de visualiser ce qui va se passer, l'esprit fort est conscient de la grandeur de Dieu. Mais il a une force souveraine qui l'anime. Et il marche sur ces choses-là. Et l'effet du repos, apôtre, sans vouloir te couper. Le repos, on parle du repos. Voilà. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous assurer, vous allez voir. Beaucoup de choses, je suis d'accord avec toi. Et l'idée aussi, c'est que lorsqu'on a le repos dans l'esprit, c'est le fait aussi de pouvoir, par exemple, pendant une situation où on a des personnes, une situation cherchent à nous énerver, ou cherchent à nous faire sortir de nos gonds, comme on dit, on est capable de pouvoir, en fait, imposer le calme. Et comment on le fait? Encore une fois, par la déclaration. Encore une fois, en prenant conscience de qui nous sommes et en déclarant qui nous sommes. En fait, c'est un peu comme l'histoire de que le faible dise « je suis fort », que celui qui est énervé dise « je suis calme », que celui qui est dépassé dit non, je ne suis pas dépassé. Que celui qui semble vivre la confusion déclare qu'il ne vit pas la confusion, en fait. Et c'est aussi ça aussi qui nous permet de rester dans la paix, en fait, dans le repos. Pour que notre esprit se fortifie ou grandisse, il doit être dans un environnement.
Et la paix est un environnement favorable pour la croissance et la fortification de notre esprit. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle la Bible va dire « Ne vous inquiétez de rien, etc. etc. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplira vos cœurs. Pourquoi? Parce que, en fait, quand la paix de Dieu va venir, ça va favoriser la fortification de notre esprit et la croissance de notre esprit. Alors, on comprend que le fait de ne pas s'inquiéter est un exercice mental qui favorise la fortification de notre esprit. Est-ce que vous comprenez? Et donc, être dans le repos, c'est prendre la décision de ne pas s'inquiéter en face des situations de crise et des problèmes, en fait. Donc, vous n'allez jamais réussir à être dans le repos et à fortifier votre esprit si c'est la panique totale dans votre âme, si c'est le désordre, si c'est le stress. Vous n'allez jamais réussir déjà à changer quoi que ce soit. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit, on est de la race des esprits. Et les esprits qui sont de Dieu, en fait, doivent être dans un environnement, l'environnement de paix, l'environnement d'amour, l'environnement de joie pour qu'ils puissent sérieusement évoluer. Donc, quand il y a tout le désordre dans la tête, et on s'inquiète, il y a tout un, excusez-moi, un bordel, un stress, la vérité, on affaiblit notre esprit. Mais apôtre, tu as employé un mot, c'est environnement. Ça veut donc dire que lorsque je suis dans une situation et que je veux être dans une situation plutôt de repos, il faut aussi que je crée mon environnement de repos. Il faut peut-être aussi que je fasse une sélection entre les gens que je vais côtoyer. Parce que si on parle d'environnement, ça veut dire qu'il faut que je sois en contact avec des gens qui, eux aussi, sont dans le repos. Pas entrer en contact avec des gens qui vont plus exciter encore le trouble. C'est là où si tu as épousé Karaba la sorcière, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est là où si tu as épousé Oussama Ben Laden. Dans le repos, on te remet dans le repos. Tu essaies d'être dans le repos, tu suis. Je te dis non, les problèmes. Et quand tu rentres à la maison, c'est là où tu perds ton repos. C'est là où c'est important, en fait. Ta femme, ton mari, celui que tu choisis, tes amis, l'environnement, en fait. Oui, c'est vrai que notre environnement va quand même nous influencer. Mais on voit quand même que quand on parle du repos et de la paix, quand même l'esprit fort active également ces choses-là. Ça fait partie quand même des caractères d'un esprit fort, finalement, qu'on a vu un peu par le passé. Jésus va dire, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Donc ça montre quand même que l'esprit a déjà la paix. Mais un esprit fort va activer cette paix-là. Et la paix, la Bible, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc la paix vient de Dieu, est née de Dieu, la joie. Donc quand ces ingrédients, le flux de l'esprit de manière générale est activé, d'ailleurs l'esprit fort manifeste le flux de l'esprit. Et quand l'esprit est fort, en fait, avec tous ces ingrédients-là, mais il va imposer le tempo à l'extérieur. Et pour aller dans la même lancée que le pasteur Isaac, en fait, la Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ça veut donc dire que l'atmosphère de repos et de paix aussi, c'est nous qui la créons. Ça veut dire que des fois, il faut aussi s'examiner et se dire, est-ce que je ne suis pas aussi l'auteur du trouble? Parce que des fois, c'est je vais dans le repos, mais c'est nous-mêmes qui causons le trouble. C'est toi la tempête. C'est toi la tempête, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu te calmes toi-même. Du calme. Oh, moi, et c'est pour ça que Proverbe ne va pas ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de prendre la mesure ou bien de mesurer notre foi. Et on l'a vu, comment est notre esprit? Je pense que c'est tout. Je pense que tout ce que Dieu nous a donné est assez, est suffisant pour nous donner de vivre la vie que Dieu veut qu'on mène, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut mesurer son esprit, prendre la mesure même de l'atmosphère qui est au-dedans de nous. Je pense que c'est ça. Le proverbe va dire, si au temps de la détresse, comment on dit, si ta force que tu as t'amène dans la détresse, c'est que ben, elle était simplement en détresse. C'est ça. Donc, tu vois, on doit pouvoir mesurer la force qu'on a à intenter. J'aimerais rebondir sur ce que le pasteur Gentil a dit, et du coup même sur ce que le pasteur Isaac dit. En fait, il faut vraiment savoir si ce n'est pas nous qui créons le trouble. Parce que des fois, on peut, c'est comme chercher une chose qu'on a déjà dans les mains. Mais en réalité, on ne la trouvera jamais, en fait. On aura beau prier, chercher, on ne trouvera pas. Et ça, ça demandera à ce qu'on puisse... Tu cherches tes lunettes que tu as. Que tu as. Tu les as, et tu es là, tu les cherches. Elles sont mes lunettes. Jusqu'à ce que le Seigneur te fasse grâce de passer devant un miroir. Autrement dit, il faut apprendre à s'introspecter. À apprendre à étudier son âme. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne se connaissent pas eux-mêmes. En fait, ils vivent...
ils croient être des personnes qui ne sont pas. Mmh. Et ils vont se présenter à certaines personnes, ils vont présenter une personne qui n'est pas eux, en fait. Mmh. Et ils vont essayer de défendre cette personne qui ne sont pas, mmh, comme si ils étaient cette personne. Et au final, ils vont se retrouver en train de créer des problèmes autour d'eux, mmh, sans se rendre compte que c'est eux qui doivent changer, et que c'est eux le trouble. Le repos, c'est les autres. Et c'est eux. Oh my God! Oh là là là! Et c'est vrai, hein. Et du coup, ils deviennent le trouble des autres. C'est ça? Ils deviennent... Mais donc, le repos vient quand on a aussi... Le repos vient aussi quand on a la maîtrise de son caractère. Mais c'est ça. Parce que si je sais maîtriser mon caractère, j'éviterai même les problèmes avec les autres. C'est ça. Parce que très souvent, en fait, le trouble vient aussi du fait qu'on ait des conflits avec les autres. Bon, il faut savoir aussi, je vais quand même équilibrer mon discours, qu'il y aura toujours des problèmes quand on est en... C'est autre chose. Il y aura toujours des problèmes quand on est en société, parce que la Bible dit, le fer aiguise le fer. Yes. Il y aura toujours des incompréhensions. Yes, parce que des problèmes, c'est autre chose. Il y aura toujours des incompréhensions. Mais si j'ai la maîtrise de mon caractère, je peux relativiser. Parce que c'est un terme, franchement, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est relativiser ou se remettre en question. Yes. C'est-à-dire, mais en fait, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que, de quoi moi-même je suis responsable? Ça, c'est déjà une première question. Parce que mon père avait souvent l'habitude de me dire ça quand j'étais jeune, que j'avais des conflits avec mes petites sœurs. Il me disait, en fait, dans un conflit, il y a toujours deux responsables. Tu as peut-être été l'initiateur, mais la réaction de l'autre aussi est autant responsable. Parce que souvent, on se dit, ouais, parce qu'on disait le trouble sont les autres, mais toi aussi, tu as accentué le trouble. Tu vois. Ça. Parce que quand l'autre est venu exciter ta colère, tu aurais pu dire, bon, c'est bon, je ne vais pas réagir comme ça. Mais le fait de réagir, c'est encore envenimer les choses. Tu vois, donc, la gestion de son caractère est extrêmement importante. Non, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des gens, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont lourds. Ah, non, mais sérieusement, il y en a quand même qui sont lourds. Quand ils sont dans votre voiture, en fait, et qu'ils sortent, vous sentez vraiment qu'ils sont pas comme vous sentez vraiment. Je vous sentez le recommencer. Et ça m'est déjà à plusieurs reprises. Je me rappelle une fois, nous étions au Gabon. On était avec Alexandre. Il y avait Alexandre et puis un autre frère. Je pense que c'était Bobo. On était dans la voiture. Et puis, on avait pris un frère, en fait. Un frère du Gabon. Et non, je vous assure, de la première minute à la dernière, il parlait. Wow. Oh my God, il était saoulant. C'était une vraie station de gonflage, quoi. C'était, mais on prenait sur nous. Alexandre ne disait rien comme d'habitude, hein, son calme légendaire. Mais, et puis moi, je relativisais. Et puis Bobo aussi relativisait. On disait, ah, oui, oui, oui. Mais après, on est allé. Quand on est allé... Tu n'arrives pas à garder mon sérieux dans cette histoire. Tu vas y arriver. C'est quand c'est les 1-1, oui, oui. Non, non, c'est quand tu dis on a relativisé. Dans ma tête, je me suis dit quand le fait de relativiser atteint son paroxysme, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à relativiser. Non, parce qu'il était lourd. Hein. Ouais. Non, il était vraiment lourd, je t'assure. On a vraiment beaucoup pris sur nous. On a essayé de machin relativiser. Et je vous assure, dès l'instant où on l'a déposé, quand il est sorti, on s'est juste tous regardés. L'atmosphère a changé. Ouf. L'atmosphère a changé, en fait. Tu vois? Et là, ça me fait penser à ce genre de personnes. Là, c'est eux la tempête. Et c'est dommage parce que ces gens-là, des fois, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ouais, ils se disent, on a passé un bon moment, on a bien parlé. Ils disent, on a bien parlé. Tu nous as saoulés. Tu nous as saoulés, frère. Ce qui est dommage, c'est que c'est des gens... Souvent, quand quelqu'un va avoir le courage de leur dire, ils vont mal le prendre. Ils vont dire quoi? Mais tu as dit quoi, machin? Frère, tu lui dis ça, c'est une tempête, au départ, il devient un cyclone. Il devient un cyclone. Et c'est vrai, et c'est des personnes qui auront beaucoup de mal à voir la paix, justement, dont le Seigneur parle. Et ils vont prier, chercher, ils ne vont pas la trouver, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Ils vont dire, Seigneur, mais je ne comprends pas, parce que moi, on a des problèmes contre moi. Parce que c'est la tempête. C'est la tempête, le Seigneur il dit, bon, tu sais, je veux calmer la tempête, mais je vais te la montrer. Et à chaque fois que le Seigneur va envoyer les gens pour leur montrer où est la tempête, il va dire, c'est pas possible que ce soit moi. Il dit, non, c'est eux qui viennent, ils m'emmènent encore plus de tempête. C'est le genre de personne, quand tu entends prier là, le Notre Père, délivre-nous du mal, tu penses à lui. Délivre-moi de cette personne. Ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tempête. Ne me soumets pas à la tempête. Et c'est pour cela, pense qu'on a, parle de faire l'inventaire, là on parle l'esprit, on parle du repos. Parce que Jean-Thierry parle du caractère. Et c'est important, l'esprit fort a quand même certaines connaissances. Arriver à
comment dire ça, arriver à voir où est-ce que le caractère se forme, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est important de savoir où est-ce que le caractère se forme, d'où le repos également dans l'âme, dans le corps. On va dire quelqu'un qui va s'énerver. Ben, ça arrive, quelqu'un qui s'énerve, mais tu oublies que tu t'es peut-être pas reposé, tu vas avoir des nerfs à fleur de peau. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, faudrait pas qu'on soit, il faut qu'on soit équilibré. Parce que quand on parle, quelqu'un va dire, ce qui forme le caractère, en fait, c'est l'âme avec le cerveau. Ça, c'est des éléments qu'il faut quand même cerner. Parce qu'on peut être fort. C'est pour ça qu'on dit que Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il sait que si je repose mon corps, rappelons quand même qu'il y a la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps, et que les deux sont interconnectés. C'est lié, toutes les trois dimensions sont liées. Donc, si ton âme n'est pas au beau fixe, tu peux doper ton esprit, je ne sais pas par la confession, même on parle de la prospérité, tu n'auras pas cette prospérité. Mais pasteur Isaac, on se rend compte justement que Jésus ne manifestait pas ses émotions dans le désordre. Quand Jésus pleure, il ne pleure pas parce que non, c'est trop dur. Il pleure à cause de l'incrédulité. Quand Jésus s'énerve, il s'énerve parce que les gens sont en train de saccager le temple. En fait, chaque fois que Jésus a manifesté certaines émotions que nous, on peut qualifier de justes, c'est parce que Jésus était face à des situations qui ne correspondaient pas à ce que le Père voulait. Ça veut dire qu'il y a des émotions qu'on ne peut pas justifier si la parole de Dieu ne les justifie pas. Ça. On se dit, je m'énerve, mais c'est normal. Tu as vu comment il m'a parlé. Mais est-ce que Jésus s'est énervé quand les pharisiens venaient le tenter? La Bible nous dit que plusieurs fois les pharisiens viennent, Jésus les renverse par la sagesse. Pas par la colère, par la sagesse, au point il va finir par leur donner une réponse et ils n'auront plus rien à dire. Vous voyez, donc en fait, c'est important de gérer ses émotions et savoir à quel moment mes émotions doivent intervenir. C'est ça. Oui, l'aspect que je vais aborder, puisqu'on parle du repos, parce qu'il est question, on peut même ajouter la notion de préparation, parce qu'il faut être efficace dans ce qu'on va faire. C'est pour ça que je prends, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est de quoi ce bruit? Tu as fait un bruit de ronflement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il me persécute. Non, vas-y, pasteur. Non, franchement. Mais en fait, là, c'est un fauteur de troubles, là, c'est pas comme ça. Regarde. Non. Ça, c'est pour l'équilibre. Non, regarde. Ça empêchera. Non, je suis imperturbable. Je suis fort. Ce que je suis en train de dire, c'est pour l'équilibre. C'est pour éviter aux gens d'être dans la confusion. Parce que l'esprit fort va programmer son résultat. L'esprit fort va programmer son succès. Mais c'est quelqu'un qui a la connaissance également, qui doit être à même de comprendre, mais tiens, pourquoi je n'ai pas eu le résultat que je voulais avoir? D'où cet inventaire? Mais d'ailleurs, il m'a même demandé de parler de ça, de la relation entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça. Oui, moi je le dis, on peut avoir l'esprit fort. Si son corps n'est pas bien, on aura du mal à libérer le résultat qu'on veut qu'il y ait dans notre esprit. Pourquoi Jésus va dormir? Il était 100% Dieu, 100% homme. Tu as dit qu'il va réagir correctement. Mais on voit quand même dans la vie de Jésus, il prenait le temps de se reposer. Pourquoi il se repose? Il sait que la dimension du corps est importante pour le fonctionnement de l'esprit et de l'âme. Un corps qui va être fatigué, je suis désolé, va déteindre sur l'âme déjà, parce que l'esprit est de l'autre côté. Donc, c'est cet équilibre-là que j'essaye d'apporter. Mais je l'avais déjà soulevé la dernière fois. Mais c'est vrai, on ne peut pas être réceptif quand on ne s'est pas reposé. Même moi, j'ai remarqué que les dimanches où je ne me suis pas suffisamment reposé... Même spirituellement, tu as du mal à recevoir. Parce que tu n'arrives pas à recevoir. Dans le corps, dans l'âme, vous ensuite dans l'esprit. En fait, c'est comme si tu n'es plus réceptif. C'est cette subtilité-là que je veux soulever. Mais tu sens, on est d'accord avec toi. On est vraiment d'accord. Il faut que je reposer, il faut que je revienne. Non. On est de ton côté, Dieu est de ton côté aussi. Tu veux vraiment interpeller les interlocuteurs. Non, j'interpelle même aux gens spirituels. Mais nous, pourquoi on parle de la sagesse? C'est ça, la sagesse. La sagesse, la Bible va ajouter à votre foi la vertu, la sagesse. C'est-à-dire que je peux avoir une foi. Si je ne me repose pas, je ne serai pas efficace. Non, c'est vrai. Je ne serai pas efficace. Et si je n'arrive pas à faire, pour ceux qui nous regardent, si je n'arrive pas à comprendre cette relation entre les trois dimensions, et que tiens, j'ai prié, j'ai fait des choses, mais tiens, je vais prêcher le lendemain matin, je ne dors pas, je ne me repose pas. Ça. On parle même, pourquoi on parle d'hygiène de vie? Mais c'est pour cela.
C'est pour mettre notre esprit dans des bonnes conditions. C'est pour mettre notre âme dans des bonnes conditions parce que il y a un bon livre que j'ai là qui parle des signaux pour que la prospérité qui est dans mon esprit, tu en as parlé, soit libéré dans mon âme, ensuite dans mon corps. C'est parce que mon esprit envoie des signaux à mon âme. C'est ça. Mon âme va envoyer des signaux à mon corps. Pourquoi je parle? Parce que j'ai la révélation dans mon esprit. Cette révélation m'est communiquée dans mon âme. Ensuite, je vais avoir la volonté de la libérer avec mon corps. Ces trois-là sont importants. C'est important. Mais c'est extrêmement important. Mais c'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre esprit, même si on prie 5 heures et que le corps n'est pas assez reposé, on peut avoir prié 5 heures, ça ne va rien changer. Rien changer et d'ailleurs, même par rapport à la prière, moi, il y a quelque chose que je fais. On dit que l'esprit fort, au bout de 3 minutes, rentre dans la prière, commence à vivre les choses. Moi, ce que je fais, il y a des moments quand je prie, je sais que non, là, je ne rentre pas en profondeur, je veux me reposer. Je sais que quelque part, mon corps ne sait pas reposer. Exactement. Exactement. Non, c'est des petits trucs parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit même des super spirituels. Mais même le dimanche, on le voit bien. Certaines personnes ont du mal à recevoir parce qu'elles ne se sont pas bien reposées. C'est ça. Certaines personnes ont du mal à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Parce que tout simplement, ils n'ont pas correctement traité leur corps. Ils n'ont pas eu une bonne hygiène de vie. Moi, je sais que très souvent, l'une des clés, je me rappelle une fois, l'une de mes filles spirituelles allait prêcher à l'étranger. Elle m'a demandé, en fait, mais c'est quoi, en fait, qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour pouvoir réussir cette semaine où je vais faire des émissions, où je vais prêcher, machin. Et je lui ai donné une réponse surprenante. Je lui ai dit, dors beaucoup. Voilà. Je lui dis, dors beaucoup parce que tu es censé avoir préparé tes réunions à la veille. Tu es censé avoir prié, en fait. Il faut que tu dors parce que c'est ton corps que tu vas utiliser. En fait, ton esprit aura besoin que ton corps soit en forme pour pouvoir tenir, en fait, pendant ces moments. Et elle a appliqué ce conseil-là. Elle dit, mais ça fait la différence. Et même par rapport à l'âme, c'est pour ça que les gens doivent réviser l'homme en trois dimensions, bien voir c'est quoi l'esprit, l'âme et le corps, et comment les trois fonctionnent. Dieu ne peut pas nous donner les trois si les trois ne sont pas importants. Bien sûr, on est esprit, on a l'âme, on vit dans le corps. Beaucoup de gens pensent même que l'âme, c'est le cerveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cerveau fait partie du corps. Mais l'âme se connecte à notre corps par le cerveau. C'est important. Donc, si je suis bien dans mon âme et que je ne me suis pas reposé, mais essayez pourquoi l'esprit quitte le corps quand le corps est mort. C'est parce qu'il ne peut plus communiquer. Il n'y a plus de connexion. Essayons de léser le corps et dire que je vais avoir des performances spirituelles, on ne l'aura jamais. Parce que je ne peux pas envoyer des signaux. C'est comme si je donne ce verre au pasteur Darius. Ben, il ne le prend pas, il ne répond pas. Mais je ne veux jamais lui donner le verre, il ne pourra jamais le boire. C'est la même chose avec le corps. Donc, on parle de l'esprit fort, bien sûr. Il faut comprendre cet esprit fort-là, collaborer avec l'âme, avec le corps. Un corps fatigué qui ne sait pas reposer va déteindre sur l'âme. C'est vrai. Et c'est pour ça que je parle, ce n'est pas même pour justifier la colère où on va parler d'être... Non, mais ce n'est pas justifié. À faire de peau, parce qu'on ne sait pas reposer. Voilà, hein, mais c'est sérieux. C'est ça. Et le truc, c'est que si on n'arrive pas à s'expliquer ces choses-là, on va être dans la confusion. C'est là où le diable, c'est là où le diable vient attribuer, il peut te dire tu es un démon, tu as ceci, et alors si tu n'arrives pas à te défendre comme l'apôtre Paul, tu vas. C'est là où la confusion arrive. Et j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce qu'il est en train de dire, parce que je pense vraiment que c'est un point très important. Par rapport au sommeil. Par rapport au sommeil. Tu vas ajouter. Par rapport au sommeil, mais surtout parce qu'il y a des gens. Frère, moi, j'ai tu dors pas beaucoup. Tu vas ajouter quoi? Il y a des gens, je suis imperturbable, comme toi, pasteur. Oui, il faut être imperturbable. Il y a des esprits forts. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque... Tout à l'heure, le pasteur Isaac, c'était, il dit, prêcher pour toi, faut dormir, frère. J'ai un esprit fort, je suis fort dans l'esprit. Donc, à partir du moment où la personne n'a pas dormi, elle ne s'est pas reposée, elle va passer. J'ai vu beaucoup de brebis comme ça, vont passer du temps dans la prière, vont déclarer des choses. Et au final, ne s'étant pas reposée, le lendemain ou deux jours après, quelqu'un vient, les attaque ou dit des choses, et là, ça part dans tous les sens. Elles sont vulnérables, ça c'est vrai. Et tout d'un coup, ils vont même commencer à accuser. Oh, tu viens de me faire perdre ma paix. C'est ça. Non, tu as perdu ta paix le jour où tu n'as pas dormi. Voilà. Tu ne t'es pas reposé. Voilà, c'est voilà, ce jour-là. Et du coup, le fait de ne pas avoir pris le temps de s'étudier soi-même, de voir comment on fonctionne, de voir justement comment il faut se reposer, comment, ce qu'il faut faire pour avoir le corps qui est beaucoup plus disposé, on aura du mal en fait
expliquer ces mécanismes. Mmh, et on dira, mais je ne comprends pas, Seigneur. J'ai prié, j'ai fait ceci. Pourquoi ceci m'arrive? Mmh. Oh non, mais les démons m'attaquent. On va commencer à chercher plein d'explications partout. Alors qu'il n'est même pas là. Et c'est, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Du coup, tu deviens toi-même la tempête, entre guillemets. Mmh. Tu deviens toi-même la source de tes problèmes. Mmh. Et ça, c'est le manque de connaissance qui fait ça. Voilà. Et tu vas chercher les explications un peu partout en disant, oui, mais les gens ne m'aiment pas. En disant, non, les gens, ils ont des problèmes avec moi, etc. Et ça reviendra à ce que tu dis souvent, si Bob a un problème avec tout le monde, c'est peut-être Bob le problème, en fait. Mm-hmm. Et c'est là où on doit vraiment prendre le temps de s'étudier soi-même. Et l'une des choses qui m'a choqué lorsque je suis né de nouveau arrivé dans le ministère à CER, c'est le fait, comment tu parlais de toi en disant, ouais, mais moi, je fonctionne comme ci, comme ça. Mm-hmm. Et moi, pour moi, c'était pas possible. Tu peux pas te connaître. Mm-hmm. Comment tu fais pour te connaître? J'ai dit, mais non, comment tu peux dire, moi, je fonctionne comme ça? Au fond, hein, je me disais, c'est pas vrai. Tu peux pas dire que toi, tu fonctionnes comme ça. Mm-hmm. Tu es juste en train de te justifier en disant que si j'ai fait ça, non, je suis comme ça, comprenez-moi. Non, mais arrête, comment tu fais pour savoir? Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, on peut se connaître, savoir que telle chose nous irrite, tel endroit, telle atmosphère n'est pas bon pour nous. Et c'est comme ça que j'ai compris même que lorsqu'il y a certaines personnes, par exemple, pour moi, aujourd'hui, ça m'arrive plus trop, mais quand je vois des personnes qui vont fumer ou qui vont boire, tout de suite, une déclaration vient et je dis au nom de Jésus, ces choses n'ont qu'un effet sur moi. Mais ça, c'est ma réalité. Mais c'est peut-être pas ta réalité à toi, parce que j'ai appris à connaître mon âme et les choses qui ont affecté mon âme à une certaine époque. Donc, du coup, je vais le défendre différemment. Et si on n'apprend pas à se connaître sur ce point-là, on va être surpris de tout ce qui va nous arriver. Pasteur Darius, tu as dit savoir quelle chose qui t'irrite. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on sait ce qui est susceptible de faire réagir notre âme, ça nous irrite, et à quel moment ça nous irrite, on peut mieux prendre nos dispositions. Bon, c'est ça. Je vais apprendre ça à personne. Quand on vit une vie de couple, en fait, que ce soit le mari ou la femme, il y a des moments où tu sens dans l'atmosphère, toi-même, tu le sens que là, ça peut partir à n'importe quel moment. Donc, les dispositions sont celles-ci. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est quand je sens que c'est tendu, comme je me connais, je vais dans une autre pièce où je vais prendre des dispositions de sorte à ce que les choses ne puissent pas arriver. Or, il y a des gens, ils sentent déjà dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'ils sentent que le moment est bizarre, mais sinon, je vais rester, peut-être que ça va changer. Non, tu sens déjà que l'atmosphère est bizarre. En fait, prends tes dispositions de sorte à ce que la chose n'arrive pas. C'est pareil, c'est comme avec le péché. Si tu es là et tu sens que, par exemple, en fait, il y a une tentation qui est là et que tu restes, en fait, forcément, ça va finir par arriver. Parce que tu as senti l'atmosphère, c'est pareil dans toutes les choses. Même les dépenses, tu sais que tu as de l'argent et tu sais que tu es quelqu'un qui dépense beaucoup. En fait, vaut mieux ne pas aller dans des endroits qui vont t'inciter à dépenser ton argent, alors que cet argent, tu étais même censé le semer ailleurs. C'est ça. Tu vois, donc, c'est prendre ses dispositions. Mais le fait de se connaître, c'est extrêmement important, c'est parce que déjà même les philosophes le disent. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et il explique que c'est l'une des clés de la sagesse. Et il n'a pas tort. Quand il dit connais-toi toi-même, c'est extrêmement important. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, personnellement, je ne blague pas avec mon sommeil. Parce que je sais que si je ne dors pas bien, le lendemain, je vais être nerveux. Je ne vais pas être lucide. Non, mais parle de l'esprit, mais c'est important. Ah oui, on parle de l'esprit, non, mon sommeil, c'est important. Et moi, il faut que j'aie mes heures de sommeil. C'est important. Sinon, voilà. Et moi, j'ai mon quota de sommeil. C'est quoi ton quota, pasteur Darius? Non, lui, son quota, c'est 1h30. Il ferme les yeux, dans les yeux ouverts. Personne n'a les yeux comme ça. Les yeux ouverts. Tu passes et tu lui parles. Je me suis retrouvé déjà. Mais soit en train de lui parler. Je suis là, je parle. Il est là. Je parle plus comme un mort. Hé, mec. Je dors. C'est vrai que les hommes peuvent aussi perturber notre préparation et tout ça. Les hommes. Quelle préparation, pasteur? On parle de sommeil et tous les hommes. On lui disait que madame priait la nuit, ça l'a réveillée. Ouais. Non, moi, je fais beaucoup attention à ça. Je fais vraiment attention. Je sais, moi, je me connais. Je sais que le sommeil est très important pour moi. Des séries de réunions, je sais qu'il faut que je dorme tôt parce que j'ai clairement vu mes performances, en fait,
être influencé par ça, en fait. J'ai vraiment vu ça. Si je sais que je n'ai pas beaucoup dormi, quand tu arrives, et même quand tu prêches, tu fais beaucoup de lapsus bizarres. Tu dis des trucs, tu vois, des trous des fois, en fait, voilà, en train de parler, tu dis Jésus a tenté le diable, voilà, des choses comme ça. Tu renverses tout, voilà, quoi, tu vois. Tu renverses tout parce que, en fait, c'est le corps, en fait. Mais après, excuse-moi de te couper. Tu peux nous raconter l'histoire où tu revenais du Gabon et tu avais des heures de sommeil, du coup, de retard. Non, mais c'était terrible, merci. Merci, c'était terrible, c'était terrible, pasteur. En fait, je suis allé au Gabon enterrer mon père. Le truc, c'est que j'avais des heures de retard de sommeil. C'était vraiment chaud. Je sortais d'un vol d'avion et avant, il y avait les veillées mortuaires. Donc, j'avais beaucoup de retard de sommeil, en fait. Et donc, j'arrive, c'est le mariage d'un frère. Et heureusement, c'est le pasteur Yvon et le pasteur Paulette, je pense, qui vont bénir le mariage. Mais l'apôtre, là, il faut l'appeler prier. Et donc, j'arrive, je prie déjà. Déjà, je balbutie, je cherche mes mots. Ça. Les gens sentent que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne suis pas même genre souvent à chercher mes mots en public comme ça. Donc, je suis là, je cherche mes mots, mais j'arrive quand même à me retrouver dans la prière. Mais il fallait maintenant terminer la prière. Hein? Père, j'ai prié au nom de... Au nom comment de, il s'appelle déjà? Au nom de, je t'assure, ce jour-là, ouais, en plein monde, je me suis dit, mais au fait, quel nom on utilise encore pour pouvoir clôturer la prière? Tu vois, au nom de, au nom de, et le Saint-Esprit m'a aidé, Jésus, au nom de Jésus, à la fin, je vais m'asseoir. J'ai dit au pasteur Tina, mais tu as vu ça? Pasteur Tina éclate de rire. Il dit, mais j'ai vu, tu as oublié le nom de Jésus. Mais c'est le corps. Et pourtant, l'excellence est dans notre esprit quelque c'est ça, part. C'est ça. Vois, on peut avoir l'esprit fort, mais si notre corps ne coopère pas, n'est pas dans les bonnes conditions, c'est ça. On peut ne pas libérer l'excellence qui est dans notre esprit. On voit vraiment que l'âme déjà, le passeur décisif, la dernière passe là avant la prospérité, il faut mettre l'âme dans les bonnes conditions. C'est pour ça quand même que Jean 1, 3, Jean 2 va quand même dire, je souhaite que tu prospères, tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu nous montre quand même que déjà la dimension de l'âme est importante pour libérer le... Moi, généralement, ce que je fais, je sais que la prière, généralement, je prie régulièrement. Si j'ai vraiment eu des programmes très serrés là, et moi, je veux prier, je sens que je n'ai pas cette sensibilité spirituelle, que ce soit j'adore ou je prie. Je me réveille, je fais l'inventaire, je sais que c'est mon corps qui a besoin de repos. Ce que je fais, je lâche tout. Peut-être je veux prendre un bon repas, c'est comme après le prime. Bon, je ne veux pas me plaindre, mais j'avoue quand même que... Tu as bien mangé. Daphné m'a mis un programme un peu salé, parce que quand je prie beaucoup... J'avais beaucoup de choses à faire dans cette journée-là. Surtout quand je prie beaucoup, en fait, je reste éveillé, ça déteint sur mon sommeil. Donc il faut quand même que j'ai un peu de marge pour bien dormir, pour... parce que quand je prie beaucoup, en fait, je ne dors pas, parce que moi, ça m'arrive beaucoup, les réunions de dimanche ou des réunions... En fait, mon esprit, parce que l'esprit ne dort pas, en fait. Donc, je reste éveillé. Le sommeil n'est pas... Parce que ton esprit, jusqu'à ce vraiment l'onction descend. Mais tu ne dors pas, ton corps ne se repose pas. Parce que tu es toujours dans l'esprit. Donc, il faut vraiment se reposer. Moi, quand je sais que j'ai d'autres trucs après, parfois, je ne prie pas. Je prends un bon repas. J'ai fait ça, par exemple, le mercredi, on a eu le prime. Mais mercredi, mais... Par là, le corps, à un moment, te dit, non, là, je ne peux pas suivre. Tu sens ton esprit, mais le corps te dit, non, là, je ne peux pas suivre. Mais vraiment, mais moi, je tout posais, je me prends un bon repas, je mangeais la viande de queue de bœuf et tout, là, mais vraiment manger. J'ai même voulu envoyer ça, je dis, bon, je vais faire le challenge après les cotis. Mais il fallait m'envoyer. Mais je pose tout, non, mais c'est important. Je pose tout, je mange, je me repose bien, je ne prie pas. Après, quand je reprends, là, par monsieur, je loupe, je sens une sensibilité spirituelle. Je dis, my God, il y a vraiment un lien entre mon esprit et l'hygiène, mon corps. Donc, parfois, on parle d'esprit, il faut que les gens comprennent qu'il faut disposer le corps d'une certaine façon pour être opérationnel, efficace même d'ailleurs. C'est particulier ce qu'il dit parce qu'il parle de lui. Et ça peut être différent par rapport à une autre personne. Et c'est d'où l'importance de se connaître. On ne peut pas dire, non, comme le pasteur Isaac a fait ça, donc je dois faire ça aussi. Peut-être pas, en fait. Et c'est d'où l'importance de se connaître. Et là, je me suis rappelé d'un épisode, justement, qui m'a choqué, pour ne pas dire scandalisé. Une fois, tu vas nous dire, apôtre, il y avait un frère, en fait, qui venait d'intégrer l'église, qui disait que non, il est motivé, il aime la vision, etc. Et que
Moi, je me disais, bon, il est enseignable, il a l'air quand même motivé. Mmh. Mais il y a des petits trucs bizarres, mais bon, il a l'air quand même motivé. Mmh. Et tu as dit, non. En fait, le gars n'est pas enseignable. Mmh. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Je suis resté catégorique. Hein. Et il a dit, non, il n'est pas enseignable. Pendant plusieurs mois, il a dit, non, moi, cette personne-là, je ne sens pas. Je ne sens pas parce qu'elle n'est pas enseignable. J'ai dit, mais comment tu peux dire qu'elle n'est pas enseignable alors qu'elle demande des enseignements? Et il dit, non, en fait... Elle ne se connaît pas elle-même. Mmh. Mais moi, j'ai perçu ce qu'elle était. Mmh. En fait, il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Quand ils vous parlent, ça, ils semblent être sincères. Ils sont sincères. Ils vous présentent une personne, mais qui ne sont pas. C'est ça, exactement. Et le fait de réussir à se connaître soi-même, ça t'aidera même à être dans la vérité et à être objectif envers les gens. Parce que du coup, tu vas vivre des frustrations que tu ne vas pas comprendre si tu ne te connais pas. Parce que tu vas te présenter aux gens en décrivant une certaine personne, n'ayant pas les résultats escomptés, tu vas dire qu'on a un problème avec toi. Or, la personne que tu as présentée et celle que tu manifestes sont complètement différentes. Et d'où l'importance de vraiment se connaître. Parce que même avec Dieu, c'est la même chose. Ouais. Tu vas arriver dans la présence de Dieu, tu vas vouloir fonctionner d'une certaine manière, comme le pasteur Isaac disait, et tu vas dire, non, c'est bizarre, c'est le Seigneur qui veut que je reste éveillé, à prier, etc. Non. Il faut que tu te reposes, c'est long. Et je me rappelle que ce frère-là, en fait, il parlait avec beaucoup de conviction et de sincérité. Et c'est pour ça qu'en fait, ils étaient dans la confusion, parce qu'ils pouvaient parler au pasteur Darius, parler à notre frère, parler à d'autres personnes, en fait. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je restais catégorique, en fait. Il était très sincère, et il était convaincu de ce qu'il disait, tout ça. Mais en fait, moi, j'avais déjà discerner des problèmes dans son caractère. Et je leur ai même dit, en fait, il ne se rend pas compte même à quel point lui-même il est dangereux. Il ne sait pas, en fait. Et quelques mois plus tard, ça s'est passé exactement comme j'avais décrit. Donc ça, c'est important. Pour revenir sur ce que le pasteur Isaac disait au sujet de la disposition du corps, pour pouvoir capter et être sensible spirituellement, nous étions à Rennes et on avait reçu le prophète Fletcher. Un homme de Dieu vraiment formidable dans le prophétique. Il est auprès du Seigneur maintenant. Je ne vois pas ce qu'il va dire. Non, c'est vrai. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Un homme de Dieu qui prophétisait avec une précision surprenante. Amen. C'était le père spirituel de mon père spirituel dans le prophétique, en fait. Et il prophétisait avec beaucoup de précision. Et j'étais là juste à côté de lui pendant qu'il prophétisait. Et à un moment donné, je remarquais que les prophéties manquaient maintenant de précision. Et ça devenait flou, en fait. Quand moi, je comprends le prophétique, je ne peux pas le juger, en fait. Je comprends, je sais que non. Il y a des moments quand l'onction diminue, en fait, on ne voit plus clair et on va dire des trucs avec moins de précision. Et tout de suite, j'ai senti qu'on était là depuis le matin et il était 15h ou 16h. L'homme de Dieu n'avait pas mangé. Et je me rappelle que les gens avaient fait une file d'attente et ils devaient prophétiser presque sur tout le monde. Les gens voulaient les prières, en fait. Et il faisait des trucs incroyables, hein. C'était vraiment extraordinaire, mais à un moment donné, ça devenait flou. Et là, je lui dis, prophète, je crois qu'il faut qu'on arrête parce qu'il faut que tu manges. Et je lui dis en anglais, ça marche aussi quand on a mangé. Et là, il me dit, c'est une très bonne idée, on va aller manger. Et là, j'ai parlé au peuple, j'ai dit non, on va vraiment arrêter, ça ne sert à rien de pouvoir continuer. L'homme de Dieu n'est pas productif dans des conditions comme ça. Il faut qu'il aille manger. Et puis, on va voir, on va peut-être trouver une autre occasion. Et regarde, on est allé manger. On est allé manger. La maman qui nous avait reçus avait fait vraiment une superbe... Je me souviens encore de cette soirée-là. Oui, je me rappelle très bien. C'était... Et on a mangé. Quand on a mangé, et voici ce qu'il fait exactement. Now we can prophesy. Oh my God. Et là, il va se retourner, il va commencer à prophétiser avec une précision déstabilisante. Non, déstabilisante. Et je pense que c'est là où il avait prophétisé aussi la naissance de Christelle Sophia, tout ça. Et c'est là où j'ai compris que, my God, mais en fait, ce corps-là est important, Pour l'esprit. Pour l'esprit. Oui. La mauvaise disposition de ce corps peut faire en sorte que notre esprit ne capte pas bien, en fait. Mais même le repos des pensées aussi est important. Parce qu'en fait, très souvent, j'ai remarqué qu'on a tellement de choses qui occupent notre tête qu'on va penser. Il y a même des gens qui vont parler tout seuls pendant qu'ils sont en train de penser. Et c'est important. C'est vrai. J'en ai vu. Et il faut penser. C'est bizarre. Tu parles à qui? Ah non, je parle tout seul.
Dieu, il dit, je m'en parle à moi-même. C'est vrai. Et il faut faire un silence en fait total dans ses pensées, se dire ce moment-là, je vais reposer mon corps et reposer mes pensées. Je pense à rien. Je suis juste installé, je me mets soit de la musique ou de l'adoration, je suis posé, je ne fais rien du tout. Et j'ai remarqué qu'une fois que la personne fait ça ou une fois que moi je fais ça, mes pensées sont beaucoup plus productives. C'est parce que comme j'ai pris un temps de pause, j'ai pu éliminer les pensées qui étaient toxiques ou celles qui venaient pour s'insurger dans mes réflexions. C'est ça. Donc j'ai pu faire le tri et à partir de ce moment, je peux encore mieux réfléchir. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer avec le pasteur Isaac. My God. On va terminer. Mais il faut que... Non, mais c'est... je ne sais pas si... si on pourrait pas revenir. On voit vraiment ce que l'apôtre vient de dire. Là, c'était vraiment... Mais je me rappelle encore de cette soirée, comment le prophète Fraîcheur prophétisait. Mais quelle relation fait entre l'esprit et l'âme, et le corps. Le pasteur, j'en parle des pensées dans l'âme. On voit même qu'en dehors de l'esprit, finalement, un corps qui n'est pas dans les bonnes conditions va empêcher à l'âme de bien fonctionner. C'est ça. Parce que moi, mon expérience, quand je me repose, comme par exemple, je veux manger, je ne fais rien. Mais mon âme va me rafraîchir. C'est vrai. Mon esprit est bien. Quand je prie, je sens, je rentre dans la prière de façon... Enfin, je ne rentre pas dans la prière, je communie, je suis béni. Parce que mon corps est vraiment... Bon, on voit vraiment cette relation-là entre les trois. Et par rapport à ce que le pasteur Daru disait, mais quelqu'un qui se connaît et qui connaît l'esprit, l'âme et le corps, doit être, quand il connaît ça, il ne pourra pas accuser qui que ce soit jamais pour un résultat qu'il n'a pas eu. C'est là où la connaissance nous donne l'objectivité. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire, quand je vois, je ne suis pas de manière optimale, je sais, je fais l'inventaire. Est-ce que je ne prie pas quand je prie? Est-ce que mon âme, je sais que ça va être mon corps, la plupart du temps, le repos du corps. Parce que le corps va déteindre. On oublie que le corps influence également l'âme. L'âme peut donner des signaux, mais le corps influence des signaux, l'âme. Donc, c'est important de comprendre tous ces éléments-là pour que les gens ne soient pas en confusion. Parce que quand les gens n'ont pas les résultats qu'ils veulent avoir et qu'ils n'arrivent pas à expliquer les situations, c'est là où j'insiste, c'est là où le diable vient c'est vrai. Vient mentir. Là, il n'était même pas encore dans la confusion et c'est là où la confusion, la plupart des esprits de confusion, c'est là où ça commence. Parce qu'on n'est pas dans la lumière, on ne peut pas se défendre, comme l'apôtre Pierre dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc la connaissance de l'esprit, de l'âme, du corps va nous protéger même des suggestions, des mensonges du diable. Vous l'avez compris, gloire au Seigneur. J'espère que cette série vous a béni. Vous pouvez revoir toute cette série en replay sur le site www.evangile.tv. Et si elle vous a béni, vous avez trois choses à faire. La première chose, c'est soutenir Evangile TV en étant partenaire et en faisant un don. Vous savez, la bénédiction est comme la sève dans un arbre, il faut qu'elle coule. Vous avez été béni. Il faut faire couler la bénédiction pour que votre bénédiction puisse encore grandir. Deuxième chose, abonnez-vous si vous regardez cette émission à travers YouTube. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Evangile TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti des mises à jour et des nouvelles émissions pendules à l'heure. La troisième chose, parlez de cette chaîne de télé et de cette émission autour de vous. Vous permettrez que beaucoup d'autres personnes puissent être béni. Nous allons démarrer une autre série dans les prochaines émissions pendules à l'heure. Je crois et je sais que vous avez été béni. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur Gentil et le pasteur Darius dans cette émission pendules à l'heure. Je vous dis à bientôt.